nous sommes rassurés sur le fait que l'enquête principale, c'est-à-dire sur les complicités de Mohamed Merah, progresse, qu'elle aboutira. Et donc nous avons vu quand même des magistrats très attelés à leur tâche et encore une fois une enquête qui montre des signes d'avancement importants. On recherche toujours des complicités, que Abdelkader Merah est à ce jour le complice identifié, mais que les juges continuent de travailler sur d'éventuelles pistes. Et ils nous ont juste expliqué ce que nous savions déjà, c'est que parfois il y a des gardes à vue, c'est aussi des mesures d'enquête propres à faire des vérifications sans nécessairement qu'elles concernent forcément des complices directs de Mohamed ou d'Abdelkader Merah. Pour nos clients, évidemment, le temps de la justice est épouvantablement long. Mais ce sont aussi des gens qui veulent que le travail soit fait, je dirais, de manière irréprochable et qui ont toute confiance en la justice.